Ah, la mortelle que je cherchais. Hadès, que me veux-tu? C'est amusant comme les choses les plus insignifiantes pour certains peuvent compter pour d'autres. Oh non, encore des énigmes. Ma chère femme n'est plus la même depuis la mort de Cerbère. J'aimerais la revoir sourire. La fleur que tu as cueillie était la dernière de son espèce dans mon monde. Et c'est sa préférée. Caron veut que je la porte à une victime de la peste. Et tu m'as bien dit que tu voulais que j'aide Caron. Écoute, si tu me donnes cette fleur, en échange, je te dirai où trouver l'un des déchus que tu traques. Laisse-moi en dehors de tes problèmes conjugaux. Cette fleur sera remise à la malade. Comme tu voudras. Mes chiens mangeront à leur faim, comme toujours. Je t'en prie, n'approche pas. Je suis très malade. On m'a envoyé ici, pour t'aider. Rien ne peut me guérir. Même ici, je reste malade de la peste. Comment as-tu fini ici? Je me souviens que j'étais couchée. Et malade. Tout est devenu noir. Et je me suis retrouvée près d'une rivière, entourée de gens qui attendaient de traverser. Tu as des souvenirs de ton ancienne vie? Je faisais du pain qui sentait très bon. C'est comme un rêve que je ne peux voir ni toucher. Tiens, mange cette fleur. Elle te donnera des forces. Je me sens différente. Déjà mieux. Mais la peste est toujours là. Je vais te conduire à un endroit qui te fera du bien. Il y a là-bas un feu qui te purifiera. Un feu? Tu es sûre que cela va m'aider? Que je n'aurai pas mal? La fleur que tu as mangée te protégera. S'il n'y a pas d'autre solution, alors… allons-y.